Voilà. Donc là, je suis dans la queue du serveur, les gens. Hein. Ah, faut que j'attende un petit peu pour rentrer dessus. Hein. Sinon, au pire, si vraiment il n'y a pas de place et que ça galère et tout, mais je pense que 5000 personnes sur le serveur, il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent. Enfin, tu vois. Je pense qu'on va réussir à rentrer dessus. Mais si vraiment ça galère, j'irai sur le Europe 1, là où il y a beaucoup moins de monde. Alors, je vous le dis d'avance, je pense pas qu'on va passer par Calais ce soir. Disons qu'on va éviter. Parce que ça va être la merde, un truc de ouf. Salut Imax, comment vas-tu? Oh putain, merde. Bonsoir Imax. Petite dédicace, il est pour toi cet accident. Non, on a dit que s'il y avait un accident ce soir, c'est de la faute à Garry's. C'est vrai, voilà. Voilà, ce sera à cause de lui si on se retourne. Il m'aura marabouté. Voilà, c'est pas... Hop, d'accord, j'ai déjà pris la mauvaise direction. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Hey, excellent, j'ai l'impression que ça m'a raccourci. Ah bah oui, ça m'a raccourci, normal, j'ai pris l'autoroute. Surtout que j'avais dit que ce soir, on évitait les autoroutes. Bon, c'est pas grave, je me suis trompé de route. Salut Amaury, comment vas-tu? Ça va, premier accident? Non, non, tu peux pas dire ça, bad trip. Tu peux pas dire ça, c'était un petit accrochage. Voilà, à la rigueur, tu dis premier petit accrochage, ça passe. C'était pas un accident, ça. Non, et que je te montre un accident? Non, 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 on va y être tranquille. Voilà. Yep, Ultimaco, comment vas-tu? Ça va, tranquille? Chante-nous une musique. Eh les gars, vous entendez pas la musique derrière? Vous l'entendez pas en fond? Petite petite ambiance country sur les routes. Ah bah voilà, là il a enlevé mon limitateur de vitesse. Je me disais bien qu'il y avait un souci quelque part. Alors je regarde. Oh ça y est, je suis en ligne les gars. Je suis rentré. Nickel. On est en ligne. Donc si vous voulez rentrer, si on l'entend, nickel. Hermal, bienvenue à toi. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Installe-toi et admire un petit peu cette conduite de professionnel. Ils peuvent tous te le dire. Ils peuvent tous te le dire dans le chat. Je suis un professionnel. Voilà. Et pourquoi je passe par là? Pourquoi je passe par là? Ah bah oui, parce que j'ai fait éviter les autoroutes. D'accord. Du coup, à chaque fois qu'il y a moyen de prendre une sortie, il me l'a fait prendre. Ah bah ça va être comique ce soir. D'accord. En fait, j'aurais pu aller tout droit. Bon, c'est pas grave. Vous voyez quand même, on prend l'autoroute, il reste 143 km. J'avais pas pris l'autoroute tout à l'heure, c'était 538 bornes. Tu vois ce que je veux dire? C'était chaud là. Voilà. Non, méchante, mais vous êtes des malades. C'est quoi le klaxon? Ah bah c'est H. Il s'entend pas beaucoup le klaxon, je trouve, sur celui-là. Il est très en sourdine. Oh si, ça va. Il s'entend bien, de l'extérieur quoi. J'aurais déjà vomi si t'aurais été dans le camion. Mais non, mais arrête tes conneries. Professionnel, 120 km/h dans la station essence. Ça passe, seigneur. Ça passe, ça passe, ça passe. Moi, ça va. Tu peux rouler super vite. Ah bah écoute, je suis à fond là. Je peux pas aller plus vite. Je suis plus au plancher là, mon gars. Le Volvo, il en peut plus là, tu vois. Il est en train de transpirer, mon gars. Il est au taquet. Mais on va essayer, hein. Ça va le faire. Alors, faut savoir, les gens, que j'ai recommencé une nouvelle partie. Une toute nouvelle partie. Je voulais repartir ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, je me suis juste mis un petit chèque de 15 millions sur mon compte. What? Il baille, mon bonhomme? Ça va être l'heure de la coupure, déjà? Ouais, on va pas prendre la sortie, regardez. Regardez, il nous fait prendre la sortie pour revenir sur l'autoroute. Voilà, je me suis juste mis un petit 15 millions. On a recommencé une partie de zéro. Et là, vraiment, normalement, nickel. J'ai créé une nouvelle société. Ça s'appelle la Gelade Company. Bienvenue, Lee Jordan. Bienvenue, bienvenue. Installe-toi et mate un peu le convoi de l'extrême. Alors aujourd'hui, bien sûr, pour les gens qui viendraient d'arriver, je vois qu'on est déjà 661 733 téléspectateurs. C'est un truc de malade, mon gars. On doit être en tendance partout avec ça. Bien sûr, pour les gens qui viennent d'arriver, nous transportons des... c'est quoi déjà? Des tubes de plastique, c'est ça hein? Voilà, on transporte des tubes de plastique. On est parti de Limoges. Et on va aller jusqu'à Bourges. Ah bah voilà, il nous fait quitter l'autoroute. Eh bien écoutez, on va suivre le GPS. Alors bien sûr, je pourrais aller tout droit. Regardez, il reste 68 bornes. Je quitte l'autoroute. Regardez. Regardez, 64 km. Hein. Je quitte l'autoroute. Regardez combien il va me rajouter de kilomètres. Ah bah ça va être un truc de malade, mon gars. Bourges. Ah voilà, on a la direction de Bourges. Yes. Impeccable, c'est quand même plus agréable de prendre les petites départementales, les nationales, les petits villages, moi j'aime bien. Il reste toujours 60 bornes. Ah bah écoutez, bah moi ça me va. Ah bah ça me va très bien s'il reste 60 km.
Des emballages à 4000 euros, bien sûr, il arrive. Ah, bien sûr, alors. Le chétan des routes. Mais non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, Houston. On est où, là? Issoudun, d'accord. Donc, il reste 54 km. On a Issoudun. Est-ce qu'il y a des gens d'Issoudun dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Issoudun? Si tu habites à Issoudun, tape dans tes mains. Si tu habites à Issoudun, tape dans tes mains. Non, personne? Eh ben, dis donc. Non. Oh, putain. Je pourrais mercredi. Alors... Waouh. Alors, les gens, depuis un petit moment, c'est comme ça. Issou 24, c'est où, Bourges? C'est pas loin, d'Issoudun. Voilà, c'est quelque part dans le coin. oh, bah, tu connais bien, va. Alors, les gens, aussi, voilà. Bon, je m'y tiens depuis un certain temps maintenant. C'est-à-dire que tous les mercredis à 14h, notez bien dans vos petits agendas, là. Tous les mercredis à 14h, il y a un live. Mais des fois, comme ça, hop là, petite surprise, comme ça, ah, ça vous y attendez pas. Ça vient comme une petite tape derrière la tête. Un petit live, comme ça, là, regardez, on est vendredi soir. C'est chill, c'est tranquille, c'est pour fêter le week-end, bien entendu. Ah, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. OMG va faire l'accident. Mais non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. À chaque accident, on va te donner un gage. Mais arrête. Mais non. Arrête, Animox, un petit peu. Quel chat noir, celui-là. Putain, vous êtes tous des chats noirs sur ce chat. C'est pas possible, hein. C'est... Voilà. Eh, vas-y, les gars. Essayez de conduire comme ça en regardant votre portable à droite. Vous allez voir. Hein? Alors, ce soir, expérience sociale. Je vais vous démontrer que c'est complètement dingue de conduire avec un portable au volant. Vous allez voir. C'est juste pas possible. Monsieur et madame, alors, qu'est-ce que c'est pas drôle? Ouais, bah, monsieur et madame, t'as failli me faire taper un accident, mon gars, avec ta blague, là. Hein, voilà. Hein. Écoute, Amaury, tu l'enverras à Carambar. Moi, là, je peux pas la lire. Attends, attends, je vais la lire. On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va lire la blague à Amaury parce que ça a l'air d'être à pouffer de rire. Alors, monsieur et madame, alors, qu'est-ce que c'est pas drôle, ont une fille? Comment s'appelle-t-elle? Et je sais pas, Emma? Emma, qu'est-ce que c'est pas drôle, hein? Non, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Bon, écoutez. On a pu se rentrer. On est des professionnels ou on n'est pas des professionnels? Hein? On se prend 40 d'XP, là. En plus, je vous dis, c'est une toute nouvelle partie, c'est une toute nouvelle société. Ça s'appelle la Gelade Company. Si vous voulez la rejoindre, je crois qu'en plus, les gars, il y a une option. Si vous rejoignez sur Euro Truck Simulator, vous pouvez rejoindre ma société. Et ça, ce sera un truc de ouf. Vous imaginez des convois là comme ça à 50 là sur Euro Truck Simulator avec la Gelade Company? Oh, mais ce serait tellement pas stylé, mon gars. Ce serait un truc de ouf, ouais. Ce serait tellement kiffant. Donc voilà. Alors attendez, je vais ouvrir la carte là pour les gens qui voulaient me rejoindre. Je vous attends. Allez, 5 minutes. Pas plus, les gens, 5 minutes. Voilà. Je suis à Bourges. Et je suis ici là. Voilà, dans ce petit carré là. À Bourges. Dans ce petit carré. Pas loin du Burger King, là. Entre le McDo et le Burger King, juste ici. Voilà, donc... Attendez. Eh, faut que je me gare, moi, sinon je vais être en retard, là. Bah, de toute façon, je vais être en retard. C'est sûr et certain, parce que j'ai lancé la mission avant de commencer le live. Là, 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 là. Regardez ça, mon gars. Alors, hein? C'est pas magnifique, ça? Alors? Excellent! Bah, bien sûr! Bah, j'aurais pas dit mieux, mon gars. Bien sûr que c'est excellent. Allez, on passe un petit niveau. Oui, on devient néophyte. Et je pense qu'on va monter un petit niveau dans les longues distances. Bah ouais, pour faire un convoi de l'extrême, il nous faut des longues distances. Bon, dites-moi dans le chat, là. Dites-moi, qui c'est qui rejoint? Qui c'est qui rejoint pas? Qui c'est qui fait quoi? Qui c'est qui fait qui? Qui c'est qui monte dans la couchette? Dites-moi, là. Je vous attends, les gars, là. 5 minutes, là. On met le compteur, là. J'ai acheté une voiture de convoi pour faire des SNRP. Name, je t'attends à Bourges, là. 5 minutes, les mecs, 5 minutes. Je vous attends, s'il n'y a personne dans 5 minutes, je m'en vais, là. Je prends une mission, là. Plus tard, mais c'est avec plaisir. Ah, eh ben, eh, Choub, écoute, si t'as le jeu, moi, on se fait un petit convoi et tout, c'est quand tu veux. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus, je kiffe la Euro Truck et tout, ça déchire, quoi. Euro Accident Simulator, bien sûr. Dites-moi, là, les gens, là.
Qui c'est qui rejoint? Qui c'est qui rejoint pas? Johan, c'est qu'en Roblox? Oui, d'accord. Quelqu'un d'autre, peut-être? J'ai pas mon PC RIP. Salut, Tomate. Salut, comment vas-tu? Non, désolé, je peux pas ce soir. Le problème, c'est que je suis pas sur mon ordi. Ok, d'accord. Bon, je crois que je vais même pas attendre 5 minutes. En fait, y a personne qui rejoint. Wouhou! Allez, et pour fêter ça, musique! Ouais, y a personne qui me rejoint. C'est magnifique. Non, non, on va remettre la petite playlist ETS. Voilà, on va se mettre bien. Bon, on va prendre une petite mission. Eh ben, c'est pas grave, écoute, les gars, je roulerai tout seul ce soir. Hein. Bon, bien sûr, eh, mercredi prochain, à 14h. Je vous attends, hein. Je vous attends mercredi prochain. Hein. Elcide, j'arrive. Ah, bah vas-y, Elcide, je t'attends. Voilà. Oublie pas de le dire dans les commentaires quand t'arrives. Sinon, moi, je m'en vais. Hein. Bon, on attend Elcide. Elcide, 3 minutes. Il reste 3 minutes, ça fait déjà 2 minutes qu'on attend. Bon écoutez, on va voir si... Attends, j'ai mon camion là-haut. J'ai mon camion au marché du travail. Voilà. Ah d'accord. Oh bah, il n'y a pas de travail. Bah ouais, bah excuse mon vieux, bah c'est la crise en France en même temps. C'est RP, hein. Il n'y a pas de travail, bon. C'est pas grave, on va se faire embaucher. Pas de soucis. Mercredi 14h, je suis là. Yes, Name, oublie pas. Note dans ton carnet. Faut mettre la musique, je suis seul au monde. Ouais, ah, je l'ai pas dans ma playlist, celle-là. J'aurais dû la mettre, ouais. C'est vrai que c'était pas mal, là, pour le coup. C'était de circonstance. Hein. Et on se fait un petit convoi. Oui, bah, pas de soucis, Name. Mercredi, si tu veux, on se fait un petit convoi. Tu live jusqu'à quelle heure? Parce qu'il est 14h20 chez moi. Il est 14h20 chez toi? Ouais, t'es où? Ah, bah, t'es au Canada, toi. Black, salut à toi au passage, Black, bienvenue. T'as mangé quoi à midi? Pas grand chose, mon vieux. J'ai bouffé du Sony Vegas, du réglage de Twitch. Ah, j'ai pris un petit peu d'air frais aussi. C'est tout ce que j'ai mangé. Bon, alors attendez. Dion, du coup, y a pas de travail nulle part, mon vieux. C'est vraiment la crise. Attends, c'est pas possible. On est toujours sur le serveur, oui. Oh, Elcide est à côté. Elcide, rentre-moi pas dedans, mon vieux! Parce que je vois que t'arrives à une vitesse, là, dans ton truc. Alors, doucement, hein. Salut, Moonwalk! Moonwalk, Nicolas! Ça va, tranquille? Salut, Jason! Je suis à l'arrière de ton camion. Ça marche! Ça marche, Lil Jord! Tu peux rester à l'arrière, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... on va pas refaire Bourges-Limoges, mon vieux. On en revient de Limoges. Ouais, Saint-Laurent, tiens, on va continuer à monter dans le nord. Alors pour l'instant, je peux pas faire des grandes routes parce que vous vous doutez bien, je viens tout juste de commencer. J'aurais dû cheater l'XP. Peut-être que la prochaine fois, je cheaterai l'XP. Mais en même temps, c'est RP quoi. Bon, on prend une mission, on va jusqu'à Saint-Laurent du coup. Name. Ah oui, Name, vas-y, je te laisse passer. Ah bah non, mais il est derrière. Pff. Attends, faut juste que je prenne ma SMI. Bon Name, je vais jusqu'à Saint-Laurent hein. Voilà, si tu nous entends, direction Saint-Laurent, mon gars. Alors, on va tout de suite voir ce qu'on transporte. Ouais, là, nickel. Ok, attelage, impeccable. Qu'est-ce qu'on transporte aujourd'hui pour aller jusqu'à Saint-Laurent? Nous transportons de l'acide borique de Bourges jusqu'à Saint-Laurent. Il nous reste 6h57 minutes exactement. Ouais, ça va, c'est pas trop loin. Pour un total de 3482 €. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est cool. T'as pas un TeamSpeak ou autre? J'ai un Discord illicite, mais je ne suis pas dessus à l'heure actuelle. Je suis pas du tout dessus. Alors, bien sûr, on a fait éviter les autoroutes. Hein. Ce soir, comme je vous dis... il prend une petite mission, Elcide. Attendez, on va l'attendre, tranquille. Ce soir, comme je vous dis... C'est chill, on va prendre les petites routes et tout, petites routes de campagne. Donc ça va être cool. Par contre, je vais allumer mes phares. Voilà, je reste tout le temps au moins en code. Au moins, je serai sûr de pas me faire bannir du serveur, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas grand monde, hein, tu vois, dans notre zone là. Oh, oh merde, c'est pas là, loupé. Alors que là, tu vas à caler sur le serveur. On est quand même 5000 sur le serveur, hein, presque 5000. Tu vas à caler, mon gars, mais c'est un truc de ouf, hein. Voilà, on va reculer un petit peu. Ouais, nickel. Je vais au Mans après. Tu vas au Mans? Bah écoute, de Saint-Laurent, si tu veux m'accompagner jusqu'à Saint-Laurent, Elcide. Et puis après, je vois ce que j'ai comme mission, arriver à Saint-Laurent.
Salut Arthur. Ça va tranquille? Ça fait depuis 4 ans que je te suis. Waouh! Effectivement, ça fait longtemps, Mama. Ça fait longtemps. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que ma chaîne vient d'avoir tout juste 4 ans. Pas ma chaîne Twitch, hein, ma chaîne YouTube. Voilà. D'ailleurs, pour fêter ça, la dernière fois, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait une petite vidéo rétro-perspective de la chaîne. Je pense qu'il y aura un épisode 2, parce que vous avez plutôt bien kiffé. Voilà. Il y aura également, bientôt, je vous l'annonce, un deuxième épisode sur les TikTok, parce que vous avez bien kiffé. Et il y aura également, bientôt... Bah, c'est déjà pas mal pour l'instant. Après, il y a bientôt plein d'autres trucs, mon Dieu. Vous allez voir, j'ai plein d'idées de vidéos, là. Ça va arriver. La chapelle Saint-Ursin. Attendez, il est parti où, Alcide, là? Alcide? J'ai foutu, mon vieux, j'ai foutu le plein phare. Où est-ce qu'il est parti? Il me suit plus? Où ça y est, on a du monde? Eh, ouais, petite blague, les gars. Ouais, c'est chaud. Je voulais faire une petite blague, je voulais faire un olé. Tu vois, c'est... Voilà, ça passe tranquille, les gars, ça va. Donc, Alcide, tu suis pas Alcide, là, ou quoi? Alcide, tu m'accompagnes pas? Emma, Hermal, Emal, qui me suit depuis les vidéos Garry's Mod. Ah bah ça fait plaisir, Emma, là. Merci. Ça fait super plaisir. Regardez, c'est... Oh, un petit avion là-bas qui s'envole. C'est tellement stylé. C'est très stylé. Ah bah si, il est derrière Alcide. Il arrive. Il arrive, il arrive. Je le vois, le petit point bleu dans mon radar. Il est juste derrière. Bon écoutez, on va appuyer un petit peu pied au plancher. C'est quoi ton volant? C'est un G25, Logitech G25. Franchement, il déchire, mon gars. Il est trop bien. Avec le petit levier de vitesse, j'ai le petit embrayage, j'ai tout qui va bien, les gars. Salut, Monwakina, Monwakina, Monrock. Oui, ça va, et toi? Ça va, ça va. Tiens, comment que j'ai galéré à dire ton pseudo. Issoudun? On repasse par Issoudun? Ah ouais. Et qu'est-ce qui me fait passer par Issoudun pour aller à Saint-Laurent? Ah bah tu me diras, bah si, Saint-Laurent c'est à côté d'Issoudun. Hein. Oui, il reste 74 km. Donc tranquille. Alors aussi les gens, je voudrais bien vous montrer un de ces quatre quand même, c'est la ProMode. Parce que la ProMode c'est vraiment ouf quoi, tu vois, c'est le feu ce mode de jeu. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est juste en solo, mais la ProMode ça te rajoute vraiment plein plein de petits villages. De petits villages, de petites villes et tout, c'est vachement RP... Salut Sébastien, ça va tranquille? Salut Nicoloul! Salut Juju! C'est quoi le jeu? Roblox? Petit mode de jeu, bien tranquille, un petit tycoon. Oh, ça passe crème quoi. Mon pseudo est trop dur à dire. Un petit peu. Écoute, je vais t'appeler Moon! Je t'appellerai Moon! Voilà! Wouh! Il a dû halluciner derrière Alcide. S'il me suit, oui, oui, il me suit. Il a dû halluciner deux secondes, j'ai fait un petit deux roues dans le virage, tranquille, en mode freestyle. Ça passe, hein. Franchement, ça va quoi. Allez, ce stop, je le connais, il y a jamais personne, mon gars. Mon gars, il peine à se relancer le Volvo des fois. OMG, sur deux roues, t'as vu ça, mon gars? Ça passe easy. Fais-moi un petit câlin virtuel, ça dépend, c'est qui Lil Jorn, dis donc, tu vas un peu trop vite, Lil Jorn. Hein. Ah, moi, je t'ai pas vu souvent, hein. C'est un peu trop vite entre nous. Hein. Yo, qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es malade! Salut Bold! Mais t'es malade, Alcide! Tu doutes pas comme ça sur une route de camp? Alors là, mon gars, il m'a chauffé. Là, il m'a chauffé, mon gars. Je peux te dire que ça va te faire bizarre, mon gars, quand je vais te passer devant à 140. Tu m'as chauffé, Alcide, là. Il m'a chauffé, mon gars. Ah putain, il est trop rapide. Je suis obligé de ralentir, on arrive en ville. Il est trop rapide, t'as de la chance. T'as de la chance. Regardez-moi ça, ça prend le feu rouge. Allez, vas-y. Oh mais c'est tellement stylé, les gens, quand on prend pas les autoroutes et tout. Jolotte, tu me donnes 40 €, j'achète mon volant. Ça te va? Je t'envoie mon PayPal, là. Ah, ah non, ça marche pas comme ça, Naim. Non, non, ça marche pas comme ça. Par contre, tu as le mien dans la description, si tu veux. Ça fait plaisir. Non, mais t'es un ouf, Naim. Ça va trop vite entre nous, c'est pareil. Hein.
Alors, direction... Ouh, celle sur chair. Hein. Direction Paris. Oh, ok, d'accord. On est passé à celle sur chair la dernière fois dans le dernier live. Il me semble, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait, Alcide? C'est à droite, Alcide. Moi, je vais à droite, hein. Je sais pas ce que tu fais. Attendez, j'ai mon levier de vitesse qui se barre. Ah, putain, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait, Alcide, mon gars? Ah là là, centrale nucléaire de Saint-Laurent. Bah, ça tombe bien, c'est là-bas que je vais livrer. Tu vas tout droit, Alcide? Ah, s'il s'arrête, c'est qu'il va tout droit. Bah, t'aurais pu m'accompagner, hein. Voilà, après, je t'accompagne à Le Mans. Bah, je sais pas si... Je sais pas si je vais avoir une mission jusqu'à Le Mans, par contre. Tu vois, faudrait que je gagne un petit peu d'XP, quoi. Je veux mon volant. Bah ouais, je vois ça, Naïm. Mais tu sais que t'en as des pas chers, des G25, hein. Maintenant, tu vois, je veux dire, t'as le G27 qui est sorti, t'as le G29. Franchement, tu prends un petit G25. C'est trop bien. Voilà. C'est vraiment bien. Après, bon, bah, bien sûr, G29, tout ça, c'est vrai que c'est classe. Bah, ce que ça te rajoute, c'est que t'as quand même beaucoup plus de boutons sur le G29 ou G27. T'as beaucoup plus de boutons sur ton volant et tout, donc t'as plus de trucs, quoi, tu vois, mais bon, petit G25 et tout, c'est cool, quoi. Je suis sûr, un G25, allez, t'en trouves à... Allez, à 100 balles. Ça se trouve, même moins de 100 balles. À l'époque, j'ai acheté le mien d'occasion, je l'ai payé 100 balles. Et je te parle de ça, il y a déjà un petit moment. Et j'avais fait une affaire en or, je l'avais acheté sur le bon coin à un mec. Je l'avais payé 100 balles, le volant, il était tout neuf. Mais quand je te dis neuf, il y avait encore les fines dessus, les plastiques et tout. Je l'ai déglingué. Enfin, je l'ai déglingué. Non, je vous mens, je l'ai pas déglingué. Mais disons que j'ai arraché un peu les plastiques et tout. Voilà, quoi. Mais il est encore nickel, mon volant. Franchement, il est trop bien. Il est vraiment cool et tout classe. J'ai 210 euros, mais je veux le volant à 250 euros. Ah bah ouais, bah là, tu tapes dans le G29, mon gars. Ouais, G29. Et encore, pour 250 balles, t'auras le G29, mais t'auras même pas la boîte de vitesse, hein. T'auras le volant et les pédales, c'est tout. T'auras pas la boîte de vitesse. Si tu veux la boîte de vitesse, faudra rajouter, je crois, c'est 70 balles. Pour avoir la boîte de vitesse compatible avec le G29. Après, je me demande si la boîte de vitesse G25, elle est pas compatible au G29. Franchement, je sais pas. Moon, c'est bien, ouais, ça marche. On est obligé de jouer avec un volant? Non, tu peux jouer avec une manette. Tu peux jouer au clavier. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours plus cool avec... avec un volant, quoi. Ouais, ouais, tu peux jouer clavier-souris, mais... Ouais, tu me diras, à l'époque, quand Euro Truck, il était sorti, le premier, je jouais au clavier. Hein. Je jouais tout au clavier. Et franchement, j'en ai fait de la livraison au clavier. Hein. Mais bon, ça me faisait kiffer, quoi. J'avais pas de volant. Hein. Je jouais même pas la manette. Voilà, yes. Ok. On va se garer par là. On va prendre les 40 d'XP, s'il y a moyen. Où est-ce qu'il a vu, ça se mit? Ah d'accord, ça va être derrière. Bon, on va aller derrière. Avis de recherche, un danger public à vue à Saint-Laurent, attention. Non, non, non. Non, non. Oh merde, putain, je suis coincé, les gars. Voilà, on va s'en remettre bien. Voilà, nickel. Je pense qu'on va aller derrière, du coup. On va essayer de garer ça. Attendez, je vous dis derrière, mais... Elcide, j'arrive, hein. J'arrive, Elcide. Ah, ok, d'accord, putain, pas du tout. Ok, d'accord. Ah, j'avais pas calculé qu'il la voulait là, moi, ça se mit. Bon, écoutez. On va y aller en mode freestyle, là. Voilà. Oh, oh. Ah ouais, putain, merde. J'ai touché une semi, merde. Chier, putain. Oh, et puis c'est sur la fin que je me foire, quoi. C'est con, ça. Hop, 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 hop. Voilà, on va tenter de se la garer comme ça. Ça va être tendu, les gars. Celle-là, je la sens pas du tout. Je la sens pas du tout. Je me concentre un petit peu.
Ah, je la sens pas celle-là. Quoique. Ok, 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 ok. On va avancer un petit peu. Voilà. Allez, normalement. Normalement, ça devrait le faire. Ah, regardez ça comme un vrai routier, là. Ah oui. J'arrive, Name, j'arrive. Name, Elcid. J'arrive, désolé. Yes. Nickel. Oh, on est pas trop mal, là. On est bien, hein. Fin du transport, dégâts du camion 100%. Non, franchement, ça passe. Merci, merci, Mars Gaming qui m'héberge. Ça fait plaisir. Merci, merci. Salut, Crazy. Alors, T, on dételle. Dis-moi que c'est excellent. Dis-moi tout. Excellent, oui, bien sûr. On prend 130 d'XP plus 40 d'XP, ça nous fait 170 XP. Niveau 3. Putain, même pas de niveau 3, quoi. Moi, si j'essaie de garer un camion, il explose. Ah, ouais, c'est chaud, effectivement.